Emmanuel Carrère, que en la Argentina, yo le comentaba, es un escritor realmente muy leído, y creo que porque no se trata solamente de un autor, sino que es realmente una nueva puerta de la literatura que coincide bastante con búsquedas literarias argentinas, si pensamos en Rodolfo Walsh, por ejemplo, como una referencia nuestra. Porque Carrère, se ha hablado en otras épocas de la muerte del autor, y es todo lo contrario, es el autor está vivo y vive también en sus novelas. Por eso, el título del encuentro de hoy, La novela de lo real, es muy importante pensarla de esta manera. Carrère tiene libros de ficción propiamente dicha hasta hace 15 años, por ejemplo, más o menos, él lo va a precisar mejor, ¿no? El bigote, que fue uno de los que se nombraron recién, o Una semana en la nieve, que es uno de mis libros preferidos, un libro de iniciación de un niño pequeño de 8 años, donde ya tiene que vérselas con el dolor del vivir. El bigote es más sarcástico, humorístico, pero también del dolor se trata, mientras que Una semana en la nieve es un libro donde el dolor también implica ternura. Pero esos son libros de ficción, que Carrère vino, digamos, incursionó 15 años atrás, y que uno incluso cuando toma los libros de Anagrama, en la solapa dice, los libros de ficción, El bigote, Una semana en la nieve. Y luego empieza una suerte de nuevo género o de nueva aventura literaria, que es quizás la que más vamos a conversar hoy aquí, porque de todo no se puede, que son estos libros que no son libros de ficción. Y si no son libros de ficción, ¿cuál sería el mote o cómo lo podríamos ubicar dentro de la literatura? Quizás los podríamos llamar novelas de lo real. Es una propuesta que hacemos desde aquí, y aquí me gustaría empezar, porque esas novelas de lo real, que podrían pensarse como crónicas, non-fiction, no lo son como las non-fiction que uno conoce habitualmente, empezando por Truman Capote o Norman Mailer o el propio Rodolfo Walsh, porque en este caso, si ustedes lo han leído, hay una primera persona completamente involucrada con la historia de otro que cuenta. O sea, no es una ficción del yo, no es una autoficción. Sin embargo, Carrère, el autor, nada de primera persona, narrador, figura del autor, apócrifo del autor, toda su vida está como salpicada en las vidas de otros que nos va a ir contando en un libro terrible como El adversario, que le debe haber costado, no sé si una costilla, pero bastante, desde el punto de vista de lo que implica para un escritor contar una historia de un asesino real, entrevistándolo en la cárcel, un poco a lo Capote, pero a lo Carrère, ya lo vamos a ver la diferencia. Y luego todos los libros desde hace 15 años, tienen esa primerísima persona del autor, no primera persona del narrador, que es Carrère, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que nombrar Limonov, que es un libro muy importante que habla de nuestro mundo, o por lo menos de Rusia, Europa, Estados Unidos, segunda mitad del siglo XX, y nos ayuda a cruzar al XXI con este personaje tan ambiguo y complejo que es Limonov, vida que nos la cuenta Carrère. Y otro libro durísimo, supongo que esa palabra tiene sus matices, porque no es duro desde el punto de vista solo del impacto y de la tragedia, sino que es el dolor con todos sus ribetes, por eso implico la ternura cuando hablo del dolor. Un libro muy bello que se llama De vidas ajenas, que creo que también ha sido bastante leído en la Argentina. En francés el título quizás es todavía más rico, porque sería Otras vidas que las mías, d'autres vies que les miennes. Y eso es muy el proyecto literario de Carrère. Otras vidas que las mías les voy a contar y sin embargo yo estoy en todas ellas. Por eso quisiera empezar, antes de llegar a la novela nueva que acaba de aparecer, todo publicado en Anagrama, que se llama El Reino, que es realmente una apuesta muy fuerte que implica una investigación y una apuesta desde hace varios años de Emmanuel Carrère con respecto a investigar los textos, las escrituras del Nuevo Testamento y su propia creencia, que es El Reino, que acaba de aparecer. Seguramente nuestra conversación va a culminar en El Reino, que no está mal terminar en un reino. Pero yo quería empezar por este narrador y por este cambio de esos primeros libros de netamente ficción, y esa nueva puerta de la primera persona de la novela de lo real. Merci à vous d'être venu. Pardonnez-moi, je ne parle pas espagnol, donc voilà, mais ça, je pense que tout ce que je vais vous dire va être merveilleusement traduit au moins. Écoutez, oui, j'ai écrit pendant 15 ans des livres de fiction, sans du tout envisager d'écrire autre chose. Enfin, c'est ce que j'aimais, et d'ailleurs que comme lecteur, je continue à aimer beaucoup la fiction. J'ai aucun, comme lecteur, j'ai aucune espèce de rejet de la fiction. Pendant le long processus que vous évoquiez, qui a conduit à écrire ce livre qui s'appelle « L'adversaire », qui est tiré d'une histoire criminelle tragique, comme ça, celle d'un homme qui avait tué toute sa famille, mais après avoir menti à tout le monde pendant 18 ans. Donc un fait divers, comme on dit, qui avait eu beaucoup de retentissement en France quand il s'était produit, en 1993. J'ai passé... Le livre ensuite que est paru en 2000, c'est dire que voilà, j'ai mis à peu près 7 ans à tourner autour de ce livre, et que j'ai essayé d'écrire de nombreuses façons. J'ai essayé de l'écrire sous forme de fiction, c'est-à-dire sous forme d'un roman librement inspiré par ses faits, comme on sait que certains romans, qui sont des grands romans, sont inspirés par des histoires criminelles. On nous dit que Madame Bovary ou Le Rouge et le Noir sont tirés comme ça, mais il s'agit seulement d'une source d'inspiration au départ, c'est pas là. Et alors, j'ai essayé comme ça, je n'y arrivais pas, j'avais l'impression, cette impression à la fois difficile à expliquer, à théoriser, mais qui peut être très forte, que ce qu'on écrit ne sonne pas juste, que ça va pas, voilà, que c'est pas ça. J'ai essayé ensuite de l'écrire sous une forme de non-fiction qui était très influencée par le livre très connu et très justement connu de Truman Capote de sang-froid, In Cold Blood. Je pense que tout écrivain qui écrit un livre sur une histoire criminelle, évidemment, l'écrit un peu à l'ombre de ce livre de Capote, et qui est quand même vraiment un classique du XXe siècle, et à très juste raison, je pense que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais... ce livre de Capote, comme vous savez, ou ne savez pas, mais il est écrit de façon neutre et impersonnelle, enfin à la troisième personne, une troisième personne très flaubertienne d'une certaine façon, et c'était l'idéal littéraire de Capote et Flaubert. Et bon, j'ai essayé, vraiment fait de nombreuses tentatives d'écrire cette histoire que je connaissais très bien, à force pour avoir beaucoup... enquêter, travailler, étudier le dossier d'instruction, et fait des centaines et des centaines de pages, peut-être même des milliers ou un bon millier de brouillons, de tentatives qui n'aboutissaient pas. Et il y a un moment où tout à coup, il m'est apparu que la clé, qui était presque une clé musicale, vous voyez, une clé musicale qui vous donne accès à la tonalité dans laquelle on peut écrire quelque chose, c'était de l'écrire à la première personne. La première personne étant moi-même, n'étant pas le criminel Jean-Claude Romand. Ça m'aurait paru moralement absolument impossible. Et encore une fois, c'était quelque chose que j'avais jamais envisagé auparavant, d'écrire à la première personne. Mais tout à coup, là, j'ai eu l'impression que c'était la seule chose possible, la seule chose qui était juste à la fois artistiquement et moralement, pour une raison simple, au fond. Si vous écrivez un livre de fiction, si vous écrivez, vous pouvez parfaitement dire, mettons, Madame Bovary pense que, puisque Madame Bovary, c'est vous qui est l'auteur qui imaginez Madame Bovary. Donc vous avez absolument accès à ses pensées. Ses pensées, c'est vous qui les inventez. Si vous avez en face de vous le criminel Jean-Claude Romand, dont une des caractéristiques est une espèce de très grande opacité psychologique, comme si on avait affaire à une véritable boîte noire d'où sortaient des paroles, des comportements, mais au fond, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent vraiment ? Je n'en sais rien, et je pense même que lui-même ne le sait pas, que lui-même n'a presque pas accès à ça. Mais en tout cas, la simple phrase, très simple, qui existe dans n'importe quel livre, Roman pense que, tout à coup, je me suis aperçu qu'elle était impossible, qu'elle était interdite. Et que donc, la seule possibilité que j'avais, c'était tout simplement de dire ce que je pensais ou ressentais, moi, en face de lui. Et à partir de là, je dirais que ce livre que je n'arrivais pas à écrire depuis presque 7 ans, tout à coup, a pu être écrit en quelques mois d'ailleurs, enfin évidemment sur la base de ces années de travail en vain, mais c'est donc, je dirais, dans le même mouvement et de façon absolument liée que j'ai quitté la fiction en faveur de ce que je trouve très bien d'appeler le roman du réel comme ça me va très bien, et l'usage de la première personne comme si les deux étaient étroitement liés, qu'à partir du moment où il y avait le réel en face de soi, on était bien obligé de faire état de soi-même, de ses réactions, de ses sentiments, de ses doutes, parce que sinon, comment dire, il n'y a pas d'instance qui peut le décrire. Ou c'est comme si, sinon ça voudrait dire qu'on prétend être objectif. Et je ne crois pas du tout à l'objectivité. Je crois à la vérité, tout en pensant qu'on ne peut pas l'atteindre, mais je ne crois pas à l'objectivité. Et donc, toute la position, tout le discours, souvent journalistique ou romanesque, objectif par rapport à des choses réelles, me paraît problématique. Je pense qu'il vaut mieux, au risque qu'on vous accuse de narcissisme, d'égocentrisme et tout, il vaut mieux décider d'occuper sa place et de faire état de ce qu'on ressent et éprouve et pense soi. Voilà. Es extraño porque a su vez, esta primera persona, que podría ser una primera persona, donde realmente hay toda una nueva teoría de la subjetividad literaria con este autor presente, porque en realidad la escritura ya es un artificio. Entonces, ¿quién es el que nos está contando la historia? Es muy raro sentir que el que nos cuenta la historia es un cuerpo real, que es Emmanuel Carrère. Pero lo que me interesa aquí también en El adversario es lo que significa poner esa subjetividad, porque tengo entendido que luego de esa experiencia de 7 años fue muy difícil salir, porque así como es casi una apuesta moral o ética, contar desde ahí también debe ser un desgaste corporal, o no sé cómo llamarlo, poder salir de ahí, y tengo entendido que no fue fácil de esa historia. ¿No? Oui, alors, ce livre, effectivement, l'adversaire n'a pas été une partie de plaisir, mais je ne peux pas me plaindre, personne m'y a obligé, je l'ai fait de mon plein gré, j'ai effectivement... Je sais que Truman Capote, quand il raconte comment il a commencé de sang-froid, disait « si j'avais su ce qui m'attendait, je n'aurais jamais entrepris ça ». Et il disait « ça a duré 6 ans ». Pour ma part, ça a duré 7 ans, et je pourrais dire la même chose que Capote, c'est-à-dire que c'était effectivement une épreuve psychologique très angoissante, mais bon... au fond, j'aurais parfaitement pu m'arrêter, je ne l'ai pas fait, très bien, c'est que je pensais qu'il fallait aller jusqu'au bout. Voilà. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Non, parce que, pardon, ah, non. Me refiero a la... Oui. Me refiero porque está muy presente en toda la obra lo que le han producido los libros a ese autor que sigue escribiendo. En los libros siguientes, al adversario, aparece la experiencia del adversario como dificultad e incluso, si mal no recuerdo, la posibilidad de salir de un libro con otro, ¿no? Con la novela rusa. ¿No? Esta idea de que se puede salir de un libro contando de esta manera, yendo a otro espacio, como es, y podemos hablar un poquito ahora de paso, una novela rusa, que es una novela, me parece importante también desde el punto de vista narrativo y autobiográfico. Es quizás la más autobiográfica, ¿no? Pero ¿cómo fue la transición del adversario à une novela russe? Alors, oui, l'adversaire est en fait, je pense, ce livre, un roman russe, est en fait, je pense, le seul livre vraiment autobiographique que j'ai écrit, parce que c'est le seul livre où je ne suis pas seulement un narrateur, témoin impliqué, mais vraiment le protagoniste, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de moi. Et je n'avais pas spécialement cherché à faire ça. En fait, c'est un livre qui s'est... C'est un livre aussi qui a mis 7 ans à s'écrire en réalité, puisque ça a commencé ce qu'il raconte a commencé en l'année 2000, après la publication de l'adversaire, et ensuite... Et le livre est paru en 2007, c'est-à-dire, pareil, ça a été un cycle de 7 ans qui a commencé par le fait que je suis allé un peu accidentellement en Russie, dans une petite ville de Russie, faire un reportage sur une histoire très, très troublante et très poignante qu'on m'avait on m'avait commandé ce reportage sur un malheureux prisonnier hongrois qui avait été fait prisonnier à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui, un peu par la suite d'un malentendu, s'était retrouvé dans un hôpital psychiatrique dans cette petite ville de Russie, où il est resté 55 ans oublié d'une certaine façon, et ne parlant pas le hongrois, n'arrivant pas à se faire comprendre. C'était une histoire très poignante, mais qui m'avait amené à aller faire un reportage de télévision dans cette petite ville de Russie, et j'ai été très intrigué par la vie dans cette petite ville, attiré par la langue russe que j'avais parlée enfant et ensuite oubliée parce que ma famille maternelle est d'origine russe. Et tout ça fait que, à partir de l'histoire de ce malheureux hongrois oublié pendant 50 ans à Kotelnitch, puisque c'est le nom de la ville, ça s'est mélangé avec le désir de mener une espèce d'enquête sur ma famille maternelle, sur la figure très, très ténébreuse de mon grand-père maternel, qui était une espèce de fantôme dont on ne parlait pas dans la famille et dont je n'ai pas découvert, je savais, mais qu'il avait été exécuté à la Libération pour des faits de collaboration. Donc bref, une espèce de figure très noire et très... Et à qui était associée une espèce de honte aussi. Tout ça s'est mélangé. C'est mélangé aussi à un moment une vie sentimentale, personnelle, très chaotique, très compliquée à ce moment-là. Bref, ce livre est devenu, que j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire, est devenu vraiment une espèce d'auto-psychanalyse à ciel ouvert, si je peux dire, le seul livre que j'ai fait dans ce registre-là, livre qui m'inspire, à la fois dont je suis très heureux de l'avoir fait parce qu'il il a eu vraiment un effet salutaire, même salvateur, je pense, tout comme la psychanalyse. J'en parlais avec Sylvia, je sais que nous sommes dans un pays où la psychanalyse est extrêmement aimée. Et moi, je viens d'un pays, en France, où la psychanalyse inspire beaucoup de méfiance et beaucoup d'hostilité. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'usager de la psychanalyse, en tant qu'analysant d'assez longue durée, au fond, la psychanalyse m'inspire une grande gratitude. Je pense qu'elle m'a été très, très, très profitable. Mais, et ce livre était vraiment un livre très lié à la pratique assidue de la psychanalyse, et typiquement, je pense, à un livre de fin de psychanalyse, comme il en existe certains, comme peut être certains liés à un livre comme ça de Georges Pérec, qui est typiquement, je trouve, un livre de fin de psychanalyse, enfin, ou quelque chose, et a été traversé d'une certaine façon, et ça ne veut pas dire évidemment que toutes les choses sont réglées, mais il y a quelque chose qui devient possible, qui permet de se mouvoir dans un espace psychique plus libre, certainement. Donc je veux dire, pardon pour cette longue parenthèse, mais ce livre a été pour moi à la fois très salvateur, et en même temps c'est un livre qui m'inspire une espèce d'embarras moral, parce que je pense qu'un écrivain n'a absolument pas tous les droits, qu'il n'a pas le droit d'écrire des choses qui font souffrir des personnes réelles qui ne lui ont rien demandé. Et en l'occurrence, je l'ai fait, disons, il y a deux personnes au moins qui ont été un peu prises en otage, si je peux dire, dans l'espèce d'auto-analyse très sauvage à laquelle je me suis livré, que j'ai rendu public. À partir du moment où je racontais ça, il était impossible de ne pas y faire intervenir ces personnes qui étaient ma mère et ma compagne de l'époque, et il est certain que je les ai, enfin, assez violemment offensées en écrivant ce livre. Ça n'a pas produit de catastrophe, mais ça aurait pu. Le risque était réel, et je l'ai pris, enfin vraiment avec l'idée que c'était une question de vie ou de mort, véritablement. C'est très emphatique de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. J'avais vraiment l'impression vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Lawrence, de T.E. Lawrence, pas D.H. Lawrence, qui disait que selon lui, les seuls livres qui valaient la peine étaient les livres dont l'auteur serait mort s'il ne les avait pas écrits. Et alors, je ne suis pas sûr que ça soit toujours vrai. Heureusement, il y a des livres qu'on peut aimer qui n'ont pas été écrits sous une pression aussi violente. Mais tout de même, il y a certains livres comme ça, et de ce fait, pour moi, ce livre, un roman russe, y appartient. C'était vraiment un livre, une question de vie ou de mort de l'écrire. Et donc, c'est effectivement un livre très extrême, très indélicat à beaucoup d'égards, dans lequel je me suis moi-même mis à nu. Mais se mettre à nu soi-même, ça coûte pas cher, si vous voulez. Les gens vous disent parfois « Oh là là, tu dis des choses terribles sur toi », mais les choses terribles sur soi, on décide d'arrêter quand on veut, alors que quand on écrit sur les autres, eux n'ont pas de protection contre vous. À part juridique éventuellement, mais l'offense que ça peut constituer, De todas maneras, más allá de tratarse una autobiografía y en los otros casos de no ficciones, hay como una magia de escritura que las convierte en novelas en la lectura. No sé si a ustedes les ocurre. Es decir, no es en algún momento uno parece que olvida que se trata de la vida y que es un relato propiamente dicho, hasta que uno vuelve a darse cuenta, pero no por intención del autor. Hay algo novelesco en esa verdad que se está contando. ¿Cómo surge en la lectura o hay una búsqueda de escritura que lo convierte en novela a pesar de que se está contando algo real? Porque no es una crónica. Alors, d'une part, en termes, je dirais, d'approche ou de technique littéraire, je n'utilise pas le mot roman pour mes livres parce qu'il me semble que ça fait partie de la définition du roman d'être de la fiction. Mais à part ça, j'utilise toutes les ressources du roman et je souhaite évidemment que ces livres puissent être lus, enfin, en tout cas, procurer le plaisir, l'excitation, l'émotion propre à la lecture des romans, que Dieu sait, j'aime infiniment. Attendez, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Et il y a aussi... Alors, c'est un cliché absolu de dire que, vous savez, la phrase « la réalité dépasse la fiction », etc. Mais c'est souvent tout à fait vrai. C'est-à-dire que, par exemple, regarde l'histoire qu'on en parlait tout à l'heure, de l'adversaire. Cette histoire, comme fiction, serait très problématique parce qu'elle est invraisemblable. Je suis sûr que si j'avais apporté cette histoire à mon éditeur, il m'aurait dit « Écoute, L'idée est intéressante, mais essaye de rendre ça un peu plus vraisemblable. Ça ne marche pas, ça ne peut pas arriver comme ça dans la réalité. Or, c'est arrivé comme ça dans la réalité. De même, effectivement, dans toute... si on observe assez attentivement sa propre vie ou les vies autour de soi, il se passe un très grand nombre de choses qui paraissent très invraisemblables, qui paraissent de celles qu'un écrivain de fiction s'interdirait au nom de la vraisemblance. Disons qu'un écrivain de fiction est tenu à la vraisemblance, un écrivain de non-fiction, non. Il a le droit de raconter comment la vie est extravagante. Los traductores me van a matar porque me dijeron que no, trate de no leer mucho en castellano, párrafos completos para no tergiversar la traducción literaria, pero... Mais Sylvia, c'est pas grave, c'est moi seulement qui peut. Mais elle est la unique victime. Des erreurs dans la traduction française de mon propre livre. Et bueno. Vous êtes pardonné d'avance. Pero para que entiendan un poco, digamos, esta idea de cómo se convierte en novela la propia vida. Y además es cierto que su vida sentimental realmente está muy expuesta. En muchos casos empiezan los libros con problemas con mujeres que tiene que resolverlos y entonces en ese intento de resolución aparecen los problemas de los otros, que hacen, por ejemplo, en Vidas Ajenas, que los problemas propios sean siempre más superfluos que la tragedia del que está al lado, ¿no? Así comienza De Vidas Ajenas. Pero en el final de Una novela rusa, por ejemplo, él intenta cambiar y hablaba antes del psicoanálisis en la novela y acá está completamente presente el acto y quería traerlo cuando hacia el final dice: sin embargo, yo quería ser otro hombre, distinto del anterior. Había terminado la película con un gesto que juzgué decisivo, liberador y me creí capaz de un gesto de similar alcance en el terreno del amor. Compré un anillo antiguo y muy hermoso que durante una cita anunciada por mí con un poco de misterio, deslicé en el dedo de Sofía después de que ella hubiera cerrado los ojos. Fue enfático y el énfasis me gustó. Ya no me escabullía, le pedí que fuera mi mujer, después de conflictos a lo largo de la historia, ¿no? Esperaba que ella se deshiciera en lágrimas y fue lo que hizo, pero no se abandonó del todo. Yo le intuía una reticencia y no sabía si el anillo solo le gustaba a medias o si solo a medias creía en mi proposición súbita. Le había dicho suficientes veces que la sinceridad y la verdad son dos cosas distintas, en especial en mi caso. Difícilmente podía yo reprocharle que no depusiera de golpe todas sus defensas. Cuando lo pienso, me digo que fue una idea extraña la de llevarla aquella noche, la noche de nuestro compromiso, a ver el estreno de una adaptación teatral de mi novela El adversario. Esto debía halagarme, pero para proclamar la autenticidad de mis sentimientos habría podido elegir algo mejor. Durante todo el espectáculo tuve la mano de Sofía en la mía. Sentía el contacto del anillo contra mis dedos. Nos acercábamos al final en que Jean-Claude Romand, el asesino, ¿no?, hacía un regalo a su amante. Unos días antes de tratar de asesinarla. El regalo era un anillo que yo había descrito en el libro y que el actor describió en el escenario. Un anillo de oro blanco con una esmeralda engastada de pequeños diamantes como el que le regalé a Sofía. Sofía se miró la mano. Yo también la miré. El anillo que tenía en el dedo era exactamente igual. Le había regalado el anillo de Jean-Claude Romand. Siempre me preguntaré qué me impulsó a escogerlo, Por supuesto, no pensé en ello, no tenía en la cabeza aquel detalle del libro, pero como me dijo Sofía después del espectáculo que los dos aguantamos hasta el final helados, ella me dijo, el inconsciente existe. C'est terrible parce que, en fait, c'est très drôle ce texte, enfin ça vous a fait beaucoup rire, mais sur le moment, j'ai pas trouvé ça drôle du tout, c'était horrible, c'était vraiment horrible, et c'est une... Et il arrive effectivement que l'inconscient se manifeste avec une espèce d'éclat et de brutalité comme ça extrême, quoi. Et tout ce livre est un peu tissé de choses comme ça, dont je garantis qu'elles ont eu lieu telles quelles, que je ne les ai pas du tout arrangées pour les besoins du romanesque. Encore une fois, si c'était un roman, une fiction, je n'aurais pas osé imaginer un tel épisode. Bueno, es interesante lo que dice, porque lo que a nosotros lectores nos provoca risa, al autor le provocó... horror. También provoca mucha risa el comienzo de esta novela, que está soñando en un tren y que en el sueño aparece de golpe Fujimori con su mujer y que quieren hacer como una especie de encamada de A4 en el camarote. Es muy raro el sueño y realmente tengo una intriga personal, si soñó con Fujimori y su mujer. ¿Es verdad eso? Sylvia, pourquoi est-ce que je l'aurais écrit si je ne l'avais pas rêvé? Alors, la question ensuite, c'est pourquoi l'avoir rêvé? Mais sinon, enfin, il est plus vraisemblable de le rêver que de l'inventer. Voilà. C'est le principe de parcimonie. Vous savez, c'est le principe de le rasoir d'Occam. En fait, on va toujours au plus vrai, au plus simple, au plus plausible. A ver si le encuentro, que es muy importante. Una frase que aparece también en novela rusa y que me gustaría desarrollarla en los otros libros. Yo tiendo a decir novelas porque estoy del lado de la lectura. Y es una frase que tiene que ver con qué de la realidad es real para escribir. O sea, que le toca a Carrère escribir de la realidad. Y hay la frase es, las palabras que dispongo solo sirven para expresar la desdicha. Y es cierto que en sus libros el dolor, con todos sus matices, insisto, el matiz quizás más importante es el humano, es como si realmente la escritura de Carrère estuviera dispuesta a la desdicha. Y en un momento dado, cuenta en el libro que se le acerca su hija, que era chiquita, y le besa las mejillas, pero no tiene palabras para contar eso. En cambio, las palabras, la escritura que se le formula es para narrar la desdicha. ¿Es así? Alors, j'espère que ça l'est moins maintenant, d'abord, que c'est pas toujours, que c'est plus le cas, c'était le cas dans ce livre qui était encore une fois, qui m'a permis, je pense, d'accéder à autre chose, à un autre rapport à l'existence et accessoirement à la littérature. Mais en fait, je pense beaucoup à. Toujours à propos de psychanalyse, une des définitions que j'aime énormément de Freud, disant qu'est-ce qu'on peut attendre d'une psychanalyse, dans le meilleur des cas, il dit c'est de passer du malheur névrotique au malheur ordinaire. Et je pense que c'est très vrai, et que c'est exactement ce qui personnellement m'est arrivé, que ce livre, un roman russe, est une espèce d'anthologie du malheur névrotique, que vraiment, il y a, sinon toutes ces formes, parce que c'est très riche la névrose, mais disons c'est un éventail assez largement déployé de rapports névrotiques au monde, et que le livre suivant D'autres vies que la mienne est un livre entièrement consacré à ce qu'on peut appeler le malheur ordinaire, c'est-à-dire le malheur qui est absolument inséparable de la condition humaine, qui fait que nous sommes mortels, ceux que nous aimons sont mortels, il y a de la souffrance, il y a de la séparation, des amours aboutissent à des séparations, on ne peut pas protéger entièrement ce qu'on aime, enfin voilà, ce sont des choses, des évidences, ce sont des choses qui, voilà, quiconque accepte de vivre, accepte par définition cela, et ce livre traite exactement de cela. Chose dont j'avais été d'ailleurs extrêmement préservé, parce que c'est une des utilités de la névrose, c'est que ça vous protège de ça. La névrose a une très très grande vertu protectrice. Alors ça veut pas, c'est une protection qui coûte très cher, en douleur, tout ça, mais c'est une, vraiment j'ai eu l'impression de, à un moment de ma vie et par conséquent de mon travail, d'illustrer vraiment ce passage de du malheur névrotique au malheur ordinaire. Et le malheur ordinaire n'est pas, si grande que soit la tristesse liée à certains événements, il ne s'arrête pas à la tristesse. Malheur ordinaire, dans le malheur ordinaire, il y a possibilité de deuil, de renaissance, de choses comme ça. Ce qui est pas le propre, ce qui est le contraire de la névrose, qui est par définition le lieu de la répétition. Sí, también en la desgracia ordinaria, como lo llama él, está la posibilidad de una lucha que se ve bastante en vidas ajenas. Llegamos a este libro que es importante, Vidas Ajenas, porque también es otra puerta para entrar a estas otras tragedias, y tiene un modo de comenzar esa novela que no puedo más que compartirlo. No voy a leer, no sé, las cabinas, no voy a leer, voy a contar un poquito. Porque empieza como una novela y es algo real, no deja de llamarme la atención el efecto novelesco que tiene de ficción. Comienza en un hotel donde me da pudor decir él fue con su mujer, pero es así. Mais oui, mais c'était la vérité, oui. Es como si yo hablara de su intimidad. Es medio raro, pero estoy hablando de... Oui, mais comme je le fais aussi, Sylvia, vous pouvez... Mais vous, pero... Bueno, yo hablo del libro, del personaje del libro, que es Carrère. Decide ir a un hotel también para ver si en esas vacaciones se puede reconciliar, ¿no? No va a cometer la misma gaffe que con el anillo, pero pasa algo trágico, que es que están felices y contentos, incluso conocen a unos otros vecinos que están allí en un hotel, en una habitación, y llega la gran ola, ¿no? El estilo tsunami, y muere una... digamos, no es de ellos, pero muere justamente una chica de la pareja que conocieron. Entonces, a partir de ahí empieza la tragedia del otro. Pero lo interesante, y esto es lo que vuelve novelesco este libro, pero cuando digo novelesco es como humano en lo literario, es rara la pirueta. Termina el capítulo con las dos parejas, es decir, la pareja de Carrère, que no sabe si abrazarse porque se perdieron entre ellos después de la ola, ¿no? Una vez que pasó la ola y pasó la tragedia, hay dos abrazos en el primer capítulo. O sea, termina con dos abrazos. Uno, el de la pareja que iba a reconciliarse, que no saben si abrazarse porque se perdieron entre ellos, y la otra... de la otra pareja, no saben si abrazarse o no por el dolor de lo que han perdido para siempre. Esta forma de incluirse en la tragedia del otro, mostrando lo nimio a veces de lo propio, es lo que hace, para mí que sea tan nueva la forma de ser contada la historia de las personas. Y entonces mi pregunta es, en este caso, por ejemplo, ¿es una lectura inmediata de los acontecimientos o el relato de la vida viene después? Oh non, là, le récit est venu absolument, est venu par la suite, oui. J'avais pas du tout pensé à écrire là-dessus, c'était une expérience, enfin, c'était une expérience extrêmement traumatisante, enfin, et très d'avoir été comme ça, enfin, mêlé à cette catastrophe du tsunami. Encore une fois, sachant que moi, ma femme et nos enfants, enfin, on était avec chacun des enfants qu'on avait, tout ça, on a eu, il nous est rien arrivé du tout. On n'a même pas perdu une sandale. Mais on était entouré de gens qui, enfin voilà, qui avaient tout perdu, qui étaient tous dans le deuil, ce deuil terrible, tout ça. Et donc, il y a, voilà, c'est une chose terriblement où à la fois on se sent très impuissant et en même temps on fait ce qu'on peut pour être là, pour aider comme on peut. Enfin bref, je n'envisageais pas du tout d'écrire là-dessus. Et même, je veux dire que je sais pas, quand on était rentrés, comme des gens l'avaient su, on m'avait demandé, je sais pas, de participer à des émissions de télévision sur le tsunami, c'était hors de question, et pour moi et pour ma femme, de le faire. C'est ensuite que, commençant à écrire sur une autre histoire qui était survenue dans la vie privée, juste après, qui était liée à la mort de la sœur de ma femme, donc ma belle-sœur, la mort de maladie, c'est une jeune femme qui est morte d'un cancer, comme ça. Et il se trouve, enfin, je vais peut-être l'expliquer après, que j'ai... je vais l'expliquer, en fait. Disons, ma belle-sœur, la sœur de ma femme, qui venait de mourir avec 3 petites filles, son mari, enfin voilà, une jeune femme de 33 ans qui mourait comme ça, elle exerçait le métier de juge. Et le lendemain de sa mort, un collègue... à elle, qui était juge aussi, qui avait comme particularité d'avoir eu un cancer dans sa jeunesse et qu'on l'avait amputé d'une jambe, donc c'était un juge unijambiste, a convoqué toute la famille pour lui parler de Juliette, là, cette jeune femme qui venait de mourir. Moi, je le connaissais pas. D'abord, je connaissais à peine tous ces gens. Je veux dire, j'étais avec ma femme depuis assez peu de temps. Je connaissais mal sa famille, donc je venais, vous voyez, comme ça, comme une très, en essayant de faire prendre le moins de place possible, et en venant, en gros, à cette réunion de famille chez un juge unijambiste, comme en me disant bon. Ça va plutôt être une corvée, quoi. Or, tout à coup, ce type que je ne connaissais pas s'est mis à parler à cette famille qu'il connaissait à peine, en parlant non seulement de la jeune femme qui venait de mourir, mais de leur amitié, de la façon dont tous les deux ils exerçaient et comprenaient la justice, de leur expérience à tous les deux de la maladie et du handicap. Et au fond, il a dû parler 2 heures sans s'arrêter, sans être interrompu, à des gens qui ne connaissaient pas. Et j'ai été subjugué par ce que ce type racontait. J'ai eu l'impression tout à coup que ce qu'il racontait était une espèce de... C'était quelqu'un qui parlait de son expérience personnelle avec une liberté incroyable, en mélangeant des choses qui étaient à la fois des choses très intimes sur la maladie, mais aussi des choses très techniques sur le droit, sur des choses comme... Et il racontait tout ça sur le même plan, tout cela étant fondu dans quelque chose qui est tout simplement l'expérience humaine. Et j'avais l'impression que si j'arrivais à écrire quelque chose qui faisait tout simplement passer dans un livre qu'on pourrait lire en 2 heures, l'émotion que j'avais éprouvée pendant 2 heures en l'écoutant, ça valait la peine de faire ce livre. Et chose très curieuse, à la fin de cette rencontre, le type, quand il nous a dit au revoir, comme ça, me serre la main, et alors qu'il n'avait pas du tout manifesté qu'il me connaissait comme écrivain, me dit « Réfléchissez à ce que j'ai dit, c'est peut-être pour vous. » Et j'ai réfléchi, et la semaine suivante, je l'ai rappelé, en lui disant bah, « Écoutez, commençons à parler. » Et c'était drôle parce que, au fond, ce livre raconte des choses tragiques, très douloureuses, Et il n'a pas été douloureux à écrire en réalité, parce que j'avais l'impression d'être à une place absolument juste, absolument légitime, qu'une commande m'avait été passée, que c'était même pas mon initiative à moi, que le type m'avait dit ben, « je te demande de l'écrire ». Je te demande de raconter ma vie, je te demande de raconter notre amitié avec Juliette, je te demande de raconter notre travail de juge. Et c'est au fond quand j'ai commencé à raconter ça que je me suis mis un peu à raconter ce qui s'était passé quelques mois auparavant, c'est-à-dire cette histoire du tsunami que je ne pensais pas du tout raconter, et tout à coup ça venait naturellement, quoi, ces deux espèces, à la fois cette espèce d'immense catastrophe collective et cette histoire des juges comme ça qui était à la fois une tragédie individuelle, celle de la mort d'une jeune femme par la maladie, mais aussi le handicap, mais aussi l'injustice sociale, la pauvreté, tout ça qui se mélangeait. J'avais l'impression que tout ça méritait d'être raconté ensemble, alors qu'en réalité, il y avait quelque chose d'accidentel dans le fait que j'y avais été confronté, moi, à quelques mois d'intervalle, c'est tout. Mais, tout à coup, ça me paraissait légitime de le raconter ensemble. Et encore une fois, c'est un livre qui a été écrit de façon presque assez sereine, enfin, où j'avais l'impression que je faisais quelque chose qu'il fallait faire, que j'étais à ma place pour le faire. Et c'est d'ailleurs, par ailleurs, le livre que j'ai écrit que je préfère. C'est-à-dire quand il y a des gens qui me disent « j'ai rien lu de toi, qu'est-ce que je devrais lire ?», je dis toujours celui-là, parce que moi, c'est vraiment le livre le meilleur, je pense, que j'ai écrit. Parce que je pense que c'est le plus humain, le plus émouvant, le plus... voilà. En ese libro, hay un... En un momento dado, alguien dice, no recuerdo si Philip o quién dice, quiere ser útil. ¿Qué otra cosa hacer con uno mismo? ¿No? O sea, ¿qué otra cosa que hacer con uno mismo que ser útil? Y yo me preguntaba cuando leía esta frase si esta forma de escribir sobre lo real tiene algo de sentirse útil como escritor. Tout à fait, tout à fait. Alors là, vraiment, sans... D'abord, encore une fois, c'est non seulement à la fois utile et légitime, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'était une commande qui m'était passée, ce qui fait que j'avais l'impression de tenir un rôle un petit peu d'écrivain public, vous savez, comme quelqu'un à qui quelqu'un demande de dire « tu vas raconter mon histoire ». Et donc oui, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile, de salutaire, d'utile pour les autres et pour moi d'ailleurs, évidemment. Il y avait une utilité directe pour moi. Donc de ce point de vue-là, c'était vraiment un peu l'inverse du livre précédent. Et d'ailleurs, assez curieusement, là, c'était assez drôle plutôt, mais dans l'image publique qui était la mienne en tant qu'écrivain en France, il y a quelque chose qui a beaucoup changé, c'est-à-dire que le livre précédent, un roman russe, me faisait considérer par beaucoup de lecteurs comme une espèce d'horrible petit pervers qui racontait des trucs totalement exhibitionnistes et dégoûtants. Et celui-là, tout à coup, c'est comme si j'étais devenu Mère Teresa et le type qui écrit vraiment des choses qui rendent les gens meilleurs, tout ça. C'était très bizarre, Donc c'était bien après d'écrire un livre sur une espèce de salaud fasciste, parce que sinon il fallait j'allais pas quand même me spécialiser dans les vies édifiantes, quoi. Bueno, ahora vi la transition, je vous ai faite, Sylvia. Et maintenant c'est le roi, et ahora es el reino, o sea, volvemos al cristianismo. En este libro, antes de pasar quizás al último, hay un tema que también es interesante con respecto a la estructura del libro y las ganas de escribir de determinada manera o bajo determinado impulso. Dice Carrère que prefiere, en la página 95, que tiene horror a la elipsis, que prefiere siempre la cronología. Usted que hizo también, que hace guiones de cine, donde en el cine la elipsis es casi fundamental, ¿cómo es este horror a la elipsis? Oui, enfin, c'est pas très vrai comme écrivain. Comme écrivain, je fais des ellipses comme tout le monde et je fais du montage et tout ça. C'est plutôt, encore une fois, c'est comme une... c'est encore un héritage de la psychanalyse, une espèce de besoin de raconter les choses le plus exhaustivement possible, comme si quand il y avait un trou dans le récit, c'est comme s'il y avait un trou dans l'identité, quoi, comme ça, qu'il fallait, voilà, qu'il fallait avoir une espèce de continuité absolue du récit. Mais ensuite, dans la narration, bien sûr, je la casse, cette continuité, mais j'en ai psychiquement besoin, pas littérairement. Parece que está un poco influenciado por haber llegado a Buenos Aires con el discurso psicoanalítico, ¿no? Que no... Oui, mais non, mais en fait, ça me fait plaisir parce que, en fait, moi, je suis quand même très redevable à la psychanalyse. Ça m'intéresse, quoi, aussi. Et ah non, oui. Et je et non, ça me fait plaisir de parler à des gens que la psychanalyse intéresse, quoi. Voilà. Bueno, donc je postule qu'elle les intéresse. Limonov, antes de entrar en El Reino, que es un libro que aquí se ha leído mucho, es un personaje realmente muy ambiguo, muy intenso, muy oscuro y al mismo tiempo idealista, si se lo puede llamar así, y además un libro tan actual en relación a que tiene hasta incluso, si no me equivoco, un epígrafe, no lo traje, pero un epígrafe de Putin. ¿Cómo era el epígrafe? La frase de Putin, il dit, celui qui veut restaurer le communisme n'a pas de tête, celui qui ne le regrette pas n'a pas de cœur. Yes. Maintenant, on l'attribue à... Enfin, je crois que Poutine l'a dit, mais c'était sans doute une citation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, en fait. Y es medio difícil que lo haya dicho. Mais je trouve que cette phrase est très vraie, hein, d'ailleurs. Sí, sí. Por eso. ¿Cómo fue la llegada a Limonov, que en realidad es la llegada a contar no solo la vida de un personaje, sino la historia de un mundo en decadencia también? Alors, en fait, depuis pratiquement une dizaine d'années, j'allais très souvent en Russie. Je m'étais remis à parler russe un peu, tout ça, et j'étais très passionné par la Russie, d'une façon générale, par le monde post-communiste, quoi, qui me paraissait une espèce de monde très chaotique, très brutal, mais très passionnant, sur quoi j'avais envie d'écrire quelque chose et je ne savais pas comment, pas du tout. Et il se trouve, en fait, la solution est venue comme souvent par un reportage. C'était aussi de la même manière que je suis redevable à la psychanalyse, je suis aussi très redevable au journalisme et au journalisme de reportage que je pratique de temps à autre et qui m'a souvent apporté vraiment des choses très précieuses. J'avais connu ce personnage, Limonov, personnage qui était un écrivain un peu à la mode à Paris dans les années 80, que je connaissais un peu, que j'aimais, je lisais ses livres, je les aimais beaucoup. Lui-même, je l'aimais bien. Je trouvais que c'était une espèce de dissident un peu rock'n'roll, un peu voyou, un peu voilà, qui était très marrant, quoi, un peu provocateur, un peu mais très amusant. Et je l'aimais, bon, comme beaucoup, je l'aimais bien. Et à partir du moment, justement, de la fin du communisme, tout à coup, Limonov s'est mis à prendre une direction très bizarre. C'est-à-dire qu'il est... D'abord, il s'est mis à combattre dans les Balkans aux côtés des troupes serbes, c'est-à-dire quand même de gens qui étaient clairement des criminels de guerre. Ensuite, il est rentré dans son pays où il a créé un parti qui s'appelait le Parti National Bolchevique et qui avait quand même l'air d'une espèce de milice de skinheads qui défilait dans les rues en disant « Rendez-nous Staline, rendez-nous le goulag ». Et bref, enfin, je disais drôle d'évolution. Et un jour, il y avait un ami qui a lancé comme ça un journal, qui était un journal de grand reportage, et me disait « Est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu aurais comme idée ?» Et je lui ai dit « Tiens, je voudrais aller faire un reportage sur Limonov, que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Je suis allé le trouver à Moscou, et j'ai passé une quinzaine de jours avec lui à Moscou, très intrigué, en me disant, mais vraiment, est-ce que... Qui c'est ce type? Est-ce que c'est une crapule fasciste? Est-ce que c'est... Je me souvenais quand même l'écrivain brillant que c'était, qui était une espèce un peu de Jack London russe, d'une certaine façon, enfin, un type très séduisant, très direct, très authentique, tout ça, que j'avais l'impression à la fois que ce que je voyais de son bizarre parti, à la fois c'était une espèce de milice fasciste, et en même temps, j'avais l'impression que c'était la seule contre-culture de ce pays, enfin que c'était un truc très étrange. Et bref, j'ai fait un long reportage, mais je suis revenu de ce séjour auprès de Limonov, encore plus intrigué que j'étais parti, et au fond, en ne sachant absolument pas ce que je pensais de lui. Et tout à coup, je me suis dit que c'était peut-être là le sujet que je cherchais, que d'abord, je pense que c'est un bon moteur pour un livre de ne pas savoir ce qu'on pense de son sujet, de vraiment que ça soit énigmatique pour vous. Et puis par ailleurs, je voyais vraiment, parce que le personnage a eu une vie très aventureuse, je voyais la possibilité tout à coup d'écrire un livre qui soit à la fois un vrai roman d'aventure, vous voyez au sens des romans d'Alexandre Dumas que moi j'avais lu dans mon enfance avec passion, Limonov aussi d'ailleurs, et en même temps un livre d'histoire, vraiment un livre d'histoire sur ce qui s'est passé en Europe depuis une trentaine d'années, quoi, depuis le déclin et la fin du communisme. L'idée de ce mélange des deux, d'une espèce, pas de roman historique, mais vraiment de livre d'histoire, ce qui était effectivement un peu présomptueux, parce que je ne suis pas historien, mais j'ai tendance à penser que on peut être tout ce qu'on veut, que si on travaille suffisamment, on peut être historien le temps d'un livre, enfin, peut-être même qu'on peut être astrophysicien ou des choses comme ça, on ne le sera pas vraiment, mais en même temps, on peut faire passer ce qu'il faut, quoi. Il suffit de travailler, il suffit d'apprendre. L'idée de ce mélange du roman d'aventure et du livre d'histoire, je trouvais ça très excitant, très difficile à faire, mais excitant. Et le fait est que ça a été un livre... Bon, un peu compliqué à écrire aussi pour des raisons morales, parce qu'il y avait vraiment des moments où je trouvais Limonov un personnage atroce et où je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de, malgré tout, de faire... Enfin, malgré tout, c'est mon héros, quoi, dans ce livre, ce type. Et à d'autres moments, j'avais d'ailleurs plutôt de la sympathie et de l'admiration pour lui, parce que c'est quand même un personnage qui a beaucoup de courage, d'énergie, de vitalité, une grande... Et une espèce aussi de volonté de mener une vie héroïque. Et là-dessus, il n'a jamais transigé. C'est vrai qu'il s'est toujours conduit, enfin, avec l'espèce de détermination et de courage d'un héros, avec en même temps des choix que je trouve absurdes et souvent scandaleux, et une vision du monde que je crois fondamentalement fasciste. Je pense que vraiment, il y avait aussi, dans le sujet de ce livre, une espèce d'interrogation sur ce que c'est que le fascisme, quoi, qui n'est pas seulement ces incarnations historiques qu'on connaît, le nazisme, le fascisme, non, il y a autre chose, il y a vraiment quelque chose qui est un mode de pensée, une sensibilité véritablement fasciste, que je trouve que Limonov incarne vraiment, y compris dans son charme. C'est une chose que disait Pasolini, que je trouvais très vrai. Il disait, il faut absolument pas sous-estimer le charme du fascisme. Si on sous-estime ça, on comprend rien. Voilà. Enfin bref, tout ça faisait que tout à coup, j'ai eu l'impression que cet étrange personnage de Limonov était... Alors, je me souviens quand je racontais à quelques amis qui savaient qui c'était, je suis en train d'écrire un livre sur Limonov. Les gens me disaient, mais t'es tombé sur la tête complètement. Qui est-ce qui va lire un livre sur Limonov? Enfin, je veux dire, qui est à la fois qui est une petite merde, qui est un petit fasciste russe que personne ne connaît, enfin, et que personne n'a aucune raison de connaître. Enfin, vraiment, tout le monde me disait que c'était un projet complètement suicidaire. Mais je continuais à y croire. Et par ailleurs, en dépit de moments de doute, dont un moment de doute qui m'a fait vraiment interrompre le livre pendant... un an ou deux, malgré tout, ça a été un livre assez marrant à écrire, il faut dire. C'était drôle. Il y avait du fun, quand même. Parce qu'il y a quelque chose qui tient au personnage, ça c'est vrai, parce qu'avec tous ses défauts, et ses défauts graves, il y a une espèce de c'est même une question de tempo. Vous voyez, c'est un tempo musical, c'est vraiment un allegro vivace, quoi, la vie de Limonov, qui n'est pas mon tempo naturel à moi. Mon tempo à moi est plutôt plus lent, plus tortueux. Oui, adagio, dans le meilleur des cas, andante, mais non troppo. C'est plutôt un mouvement assez... tortueux, tout ça. Limonov, il y a cette espèce comme ça de rapidité, puis de côté comme ça un peu méchant garçon. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va encore inventer, dans quoi il va encore se mettre, enfin, il y a une espèce de truc qui était assez drôle, quoi, quand même. C'était un livre... J'ai plutôt ri souvent en l'écrivant, quoi. Et je pense qu'il en passe quelque chose, que c'est un livre qui a une espèce d'énergie qui est au moins autant la sienne que la mienne, il faut bien dire, qui ne m'est pas naturelle. Sí, hay algo que también es cierto, que el libro Limonov no sería Limonov sin Carrère, ¿no? Porque no es porque alguien tenga una vida con todo lo que él describe que va a pasar a ser un buen libro, ¿no? Me parece que es inverso, es la lectura que se hace sobre lo real, no lo real mismo, ¿no? Pero del fascismo me gustaría pasar... no por relación de continuidad, pero sí de contigüidad de los libros, al cristianismo, ya que es el tema central de la nueva novela de Carrère, que quizás están leyendo ustedes, porque salió hace muy poquitito la traducción, que es El Reino. Y que, además, todos estos libros sobre los cuales estamos hablando no es una simple ocurrencia que se instala en la actualidad. Son, creo yo, ciertas obsesiones o búsquedas o tanteos de Carrère que van creciendo y madurando, porque el tema del cristianismo ya hace rato que está... siendo elaborado de alguna manera por Carrère. Aquí el libro es fantástico como comienza, porque en realidad hasta la página 100 de lo único que habla es de las crisis de él. Crisis de fe, primera crisis en 1993, un fanatismo absoluto que le duró 3 años como creyente, yendo todos los días a la iglesia, no sé si se confesaba, el tema de la confesión, ¿sí o sí? Bueno, no voy a pedir que las explicite, pero sobre eso no se puede escribir, ¿no? La propia confesión. Ah non, un prêtre n'a pas le droit d'écrire sur ce que les gens lui disent en confession, mais vous avez parfaitement le droit de dire dans un livre ce que vous avez dit en confession. Bueno, falta el libro de sus confesiones. Pero en El Reino aparece primero esta crisis, o no, o más bien devoción, como un sentido intenso y luminoso de creencias. Luego, por supuesto, le dura 3 años. Pero en esos 3 años escribe unos cuadernos, los cuadernos de Juan, y que los deja por ahí, si mal no recuerdo. Unos años después tiene una crisis que tendría que haber venido a Buenos Aires a curársela, una crisis depresiva, ¿no? En el 2005. C'est-à-dire 20 ans plus tard, en fait. Pas quelques années, c'est 20 ans. 20 años después de la primera, digamos, este primer episodio de extrema creencia. Pero lo que me llamó mucho la atención es que él encuentra los cuadernos de Juan en el mismo lugar, si no me equivoco, donde estaban las charlas con el asesino, ¿no? Eso es como la ficción que la realidad produce. Y recién en la página 100 empieza el relato, propiamente dicho, de Lucas y Pablo. Quería entonces preguntarle por este nuevo escenario tan frondoso, tan actual, donde hay frases importantísimas que tienen que ver con todo lo que está pasando en Francia, en el mundo, que es este absolutismo de la creencia y sobre todo, una frase que a mí me llamó mucho la atención de esta novela, yo se la comenté antes a Carrère, que es una frase para pensarla de Carrère en El Reino, que dice: lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza. Que es una gran frase para tratar de entender los absolutismos de la creencia. Quería saber un poquito entonces y compartir la construcción de este libro. Oui, alors ce livre, c'est vraiment un livre à longue histoire, avec beaucoup de couches, comme vous le disiez. En termes de vraiment de rédaction, il a aussi pris 7 ans, c'était le cas aussi pour l'adversaire, pour un roman russe. Enfin, il y a comme ça des livres que j'ai l'impression que c'est un cycle de 7 ans, comme ça. Mais en même temps, il rapporte, enfin, il tourne autour de quelque chose, enfin, qui était très obsédant, enfin, ou très présent pour moi depuis 25 ans, quoi. C'est-à-dire depuis cette espèce d'épisode religieux assez bizarre que j'ai raconté au début du livre, que j'aurais certainement pas raconté si j'avais pas écrit ce livre sur les débuts du christianisme. Je trouvais pas que ça soit en soi suffisant, disons que la crise religieuse d'Emmanuel Carrère me paraissait pas en soi un sujet suffisamment intéressant pour qu'on y consacre un livre. En revanche, à partir du moment où je me mettais à écrire un livre sur disons l'enfance du christianisme, et plus exactement sur la façon dont a pu s'écrire un évangile. Voilà, c'était un peu ça le sujet. Qui pouvait être l'auteur d'un de ces récits sur quoi, malgré tout, repose en grande partie notre civilisation, quoi. À partir du moment où j'écrivais donc sur la naissance des évangiles, où j'écrivais dessus... tel que celui qui écrit dessus, c'est celui que je suis, enfin maintenant, ou celui qui j'étais il y a 7 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui est un agnostique et qui donc trouve que cette histoire du christianisme, ces textes du Nouveau Testament, de l'Évangile, sont des textes absolument passionnants et qui me passionnent, mais tout à coup, j'étais bien forcé de me rappeler que ces textes, à un moment de ma vie, non seulement ils me passionnaient, mais j'y croyais littéralement. J'avais décidé de croire littéralement ce qu'il racontait, et au sens, encore une fois, le plus dogmatique, c'est-à-dire en considérant que chaque phrase des évangiles était inspirée par Dieu, que rien ne pouvait y être accidentel ou fortuit ou choses comme ça, que c'était vraiment la parole de Dieu. Donc vraiment une foi presque fondamentaliste, enfin, c'était comme peuvent être parfois les foi des convertis, vous savez, qui en font un petit peu trop, quoi, pour cette... Et donc, à un moment, ça me paraissait, disons, juste dans la logique de cette entreprise, de faire dialoguer celui qui écrit le livre maintenant, qui n'est donc pas un croyant, et celui qui l'a été 20 ans auparavant, qui était un croyant, et donc essayer de mettre en place cette espèce de dialogue entre ces deux versions de moi-même. Et je veux dire, malgré tout, même si le croyant que j'étais il y a 20 ans n'était certainement pas un très bon croyant, ni un très bon chrétien, ni une très bonne publicité pour la foi ou pour le christianisme, dont il offre vraiment un visage très replié, très dogmatique, très sec. Il y a quand même même si on n'est pas croyant, il y a des images des visages de la foi qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus lumineux que ça. Mais tout de même, j'avais une espèce d'expérience personnelle de cette foi, et il me paraissait, je dirais, normal et légitime un peu de m'appeler à la barre des témoins pour témoigner, quoi, dans ce livre. Justamente en ese libro hay lo interesante de la creencia, ¿no?, de este fundamentalismo al que refiere Carrère. Es como si la creencia, y lo pone allí, es lo inverosímil considerado real, que es como el proceso inverso de la literatura, ¿no? La creencia es lo inverosímil considerado real. Y hay otra palabra, así como Antes mencionaba el horror de la elipsis. Acá hay otra palabra interesante desde el punto de vista de cómo se escribe o cómo Carrère piensa la escritura, que es la figura de la ucronía. ¿En francés? ¿Sí? Oui, c'est ça. Perfecto. Y es ahí donde además se vuelve muy rico el libro, porque no es que estamos leyendo una historia del cristianismo, sino que se está juntando quizás la historia del cristianismo con la ciencia ficción, con Philip Dick. ¿Cuál es esta relación con la ucronía, que vendría a ser lo que pudo pasar y lo que no pasó? Oui, alors, l'uchronie, ce sont effectivement toutes les spéculations ou les fictions sur le thème « si les choses s'étaient passées autrement ». Vous voyez, si Napoléon avait gagné à Waterloo, si le Christ n'avait pas été crucifié, si... Alors, il y en a une très célèbre, justement, de Philippe Dick qui s'appelle « Le maître du haut château », dont on vient, paraît-il, de faire même une série télévisée, qui donc imagine que les Allemands et les Japonais ont gagné la Seconde Guerre mondiale et que donc ça, c'est la description des États-Unis sous une espèce de protectorat germano-japonais. Bon, tout ça, bien sûr, on peut... les débuts du christianisme sont très propres, enfin, ça incite beaucoup à la réflexion uchronique, parce que, au fond, on se dit, tout ça aurait parfaitement pu ne pas arriver, ou bien arriver autrement. Et je veux dire, on aurait parfaitement pu être autre chose que chrétien. Il y a quelque chose de très accidentel et même de très étrange à ce que cette toute petite secte juive, qui a priori n'avait quand même pas grand-chose pour elle, se soit retrouvée, au fond, en 3 siècles à conquérir l'Empire romain, et malgré tout, 20 siècles plus tard, un quart des habitants de cette planète continue, au moins nominalement, à dire qu'ils croient à ce récit. C'était quand même extraordinairement hasardeux. Enfin, sauf si on est croyant. Si on est croyant, bien sûr, on dit que c'est le plan de Dieu, et que donc il ne pouvait pas arriver autre chose que le plan de Dieu. Mais si on n'est pas croyant, il y a quelque chose de très, très étrange et mystérieux dans cette histoire. D'où une espèce de désir vraiment de revenir à l'origine de cette... et au moment où le récit a commencé à se fixer, c'est-à-dire le moment où ont été écrits les évangiles, et en particulier un évangile, que j'ai choisi Luc pour des raisons dont on reparlera peut-être, mais il y avait quelque chose de... Alors, ce que je voudrais ajouter, qui est vraiment important, c'est que, d'accord, j'ai été autrefois, pendant une période de quelques années de ma vie, un croyant très dogmatique, très rigide, tout ça. Je ne le suis plus, très bien, au fond, tout ça ne concerne que moi, mais je voulais pas pour autant écrire un livre que vous voyez dire. C'est bien sûr, c'est un livre d'agnostic, et d'agnostic, je dirais, assez paisible, tout ça. Mais j'ai essayé d'écrire un livre où je ne me mette pas en position de supériorité en disant, oui, étant pas croyant, je suis, en fait, j'en sais plus que quelqu'un qui est croyant. C'est-à-dire, ça n'est pas du tout un livre, je ne pense pas avoir écrit ce livre, vous voyez, un peu comme les anciens communistes repentis disent quand même, dénoncent Staline et les crimes du communisme et le fait que le communisme conduit nécessairement au goulag. C'était pas du tout cette idée-là. C'est un livre qui est quand même très inspiré par un rapport de grande familiarité, je dirais même d'amitié pour le christianisme. Et je pense que ça a été perçu comme ça par ses lecteurs en France et dans la plupart des pays étrangers. C'était pas du tout un livre, je veux dire, comment dire, de dérision ou d'hostilité au christianisme. C'est pas un livre de croyants, mais c'est un livre qui essaye d'approcher le christianisme avec une grande... Enfin, une fascination qui est aimante, je dirais. Enfin, je veux dire, je pense que j'ai essayé dans ce livre de faire passer aussi une espèce de goût, de saveur du christianisme, sans aucune... Et j'espérais, vraiment que ce livre pourrait être lu avec, à la fois avec profit et avec sympathie, aussi bien par des lecteurs croyants que par des lecteurs incroyants. C'est-à-dire l'idée, c'était qu'on pouvait entrer dans le livre par ces deux portes a priori opposées. Et ça, c'était vraiment quelque chose de... Enfin, un défi, quelque chose de difficile. Et je suis heureux de voir que ça a été... Enfin, oui, d'une certaine manière, c'est réussi, parce que, de fait, énormément de lecteurs, aussi bien croyants qu'incroyants, m'ont dit, ont eu des réactions très chaleureuses et très positives à ce livre. Enfin, aussi bien des, je sais pas, il y a des prêtres, des évêques, des gens comme ça qui m'ont écrit en me disant, bah, votre livre, qui est un livre d'incroyants, m'a beaucoup plus fait réfléchir sur ma foi, sur ce qui est vraiment le cœur de ma foi, qu'énormément de livres écrits par des chrétiens, disons, en carte, quoi, comme on a la carte du parti. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de chrétiens ont un énorme problème avec le discours ecclésiastique, le ton ecclésiastique, que c'est quelque chose qui les embête terriblement, dont ils ont l'impression que ça, malgré tout, que ça discrédite, ça ridiculise leur foi. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus, au fond... content quand vient un livre de quelqu'un qui n'est pas, enfin, ou une réflexion de quelqu'un qui n'est pas incroyant, mais qui en même temps prend la foi au sérieux et en parlant avec une espèce de familiarité, quoi, et en considérant, parce que, pardon, je suis très long, hein, mais au fond, sur ce qui est la croyance religieuse en général. La foi, et pas seulement le christianisme. Je parle du christianisme parce que le christianisme, c'est ce qui m'est familier. Mais je crois qu'il y a trois attitudes possibles. Il y a les gens, au fond, qui croient parce qu'ils ont grandi dans la foi, que leurs parents croyaient, et qui croient la même chose que leurs parents, parce que c'est commode, et que c'est, voilà, c'est la foi. Et je n'ai rien contre, hein, mais c'est, voilà, c'est la foi culturelle, de tout ça. Il y a les gens pour qui c'est une question totalement dépassée, qui sont absolument incroyants et pour qui ça n'est vraiment... C'est une espèce de survivance d'un autre temps, heureusement révolu, et heureusement, nous, on a dépassé ça. Et puis, il y a, je pense, une troisième catégorie, assez nombreuse, dont je fais partie, de gens qui sont... que le discours de la foi, le discours ecclésiastique, le discours de tout ça est un discours absolument discrédité, absolument pas satisfaisant, dans lequel on ne se reconnaît pas du tout et qu'on n'a pas envie d'entendre tout ça. Et en même temps, ça recouvre quelque chose dont je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, qui fait partie de nos vies, qui fait partie de notre économie psychique et dont on a tort de faire comme si ça n'existait pas. Et à ce moment-là, il faut trouver des nouveaux mots, il faut trouver des nouvelles façons de parler de ça. Et c'est un peu, modestement, enfin, une tentative de ce genre, quoi, que j'ai faite. C'est une tentative de parler de ça sans ni de l'intérieur de la foi, ni en considérant que c'est une affaire réglée. Quizás por eso también lo que se nota en El Reino es la relectura de las escrituras. Y al transcribir la escritura es como si estuviera más allá de la creencia, como si la escritura produjera un efecto de verdad. Es muy, muy notable cómo recorta las escrituras Carrère. Es como, incluso, también lo digo desde la no creencia, es cuando uno lee un poema maravilloso, es casi como si fuera algo corporal, como si fuera una indicación espiritual. Entonces creo que aquí las escrituras están trabajadas desde una relectura actual muy poderosa. Y antes de empezar con las preguntas de ustedes, que había papelitos, creo, ¿no? O estaba por lo menos la consigna, por si tienen ganas. Les voy a leer un pequeño fragmento del Reino para terminar esta parte de la conversación y que me llama la atención porque el fragmento que yo había elegido tiene relación con esta diferencia que yo no me había dado cuenta que estableció Emmanuel entre los 20 años que separaron su primera creencia ferviente de su depresión con los 20 años, perdón, con los 20 siglos que separan, digamos, los evangelios en la y con respecto a la escritura de este libro. Por lo tanto, tiene que ver con el final que plantea el libro, no les estoy contando el final, pero por lo menos conceptualmente, que es la traición y la fidelidad. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿A uno mismo? ¿A los otros? ¿O a la historia? Y esos 20 años de Carrère, o esos 20 siglos de nuestra cultura, tienen que ver con un crecimiento y al mismo tiempo con una pérdida. Y me parece que está muy bien contado en un momento del reino. Un segundo, ahora lo encuentro. Porque esto es lo que yo les decía de la escritura como algo vivo, por lo tanto, real. El cristianismo es un organismo vivo. Su crecimiento lo convirtió en algo absolutamente imprevisible y es normal. ¿Quién querría que un niño no cambie, por maravilloso que sea? Un niño que permanece niño es un niño muerto, o a lo sumo retrasado. Jesús era la pequeña infancia de este organismo. Pablo y la iglesia de los primeros siglos, su adolescente rebelde y apasionado. Con la conversión de Constantino comienza la larga historia de la cristiandad en Occidente, o sea, una vida adulta y una carrera profesional compuesta de pesadas responsabilidades, de grandes éxitos, de poderes inmensos, de compromisos y faltas que avergüenzan. Las luces y la modernidad anuncian la hora del retiro. La iglesia ya no se encuentra a gusto. Es del todo evidente que su tiempo ha pasado y es difícil decir que su ancianidad, de la que somos testigos bastante indiferentes, tiende más bien a la chochez desabrida o a la diáfana lucidez que uno se desea, yo al menos cuando pienso en mi propia vejez. Conocemos todo esto a la escala de nuestra vida, o sea, el niño que uno fue y el que termina siendo. ¿Acaso el adulto que hace una gran carrera en el mundo traiciona al adolescente intransigente que ha sido? ¿Acaso tiene sentido hacer de la infancia un ideal y pasarse la vida lamentándose porque se ha perdido la inocencia? Bueno, esto es un momento importante del libro y que refiere a lo que uno fue, si sigue siéndolo, o el contraste en lo que se fue con lo que devino, en términos personales y en términos de historia, ¿no? No sé si están llegando ya las... Uy, unas cuantas. ¿Hasta qué hora era que teníamos? Limonov no es su primer libro sobre un escritor. Antes vino su biografía sobre Philip Dick, escritor de ciencia ficción que tenía una mirada particular sobre el psicoanálisis, y también menciona a Dick en El Reino, que también pasó por una crisis de fe volcándose a la religión. Pregunta entonces, ¿qué piensa sobre esos puntos de coincidencia entre usted y Philip Dick como autor y lector de Dick? En fait, les points de coïncidence les plus forts, c'est pas tellement entre Dick et moi, c'est entre Dick et Saint Paul. quand j'avais écrit ce livre sur Dick il y a maintenant 25 ans, j'y parlais beaucoup de Saint Paul, et que je lisais beaucoup à cette époque. Et quand j'ai écrit ce livre sur Saint Paul, enfin en partie sur Saint Paul, je suis revenu à parler de Dick aussi, qui est une figure assez... Enfin, qui était à sa façon une espèce, je pense, un écrivain de génie, un écrivain absolument inclassable, enfin très et dont toute l'œuvre tourne autour d'espèces de réalités prophétiques qu'il découvre, qu'il révèle comme ça au lecteur, et aussi en effet de processus de conversion, de choses comme ça. Donc oui, ça peut paraître sacrilège de comparer le grand apôtre qui a fondé pratiquement l'Église chrétienne et un écrivain de science-fiction, même majeur, qui était une espèce de hippie drogué et tout ça. Mais en fait, je pense que c'était à 20 siècles près pratiquement le même personnage. Que la différence, c'est que Dick n'a pas fondé d'Église, à la différence de son collègue Lafayette Ron Hubbard, qui a fondé l'Église de Scientologie, qui, comme vous savez, était un écrivain de science-fiction à l'origine. Je pense que les écrivains de science-fiction sont de bons pourvoyeurs, de bons inventeurs de religion, et d'ailleurs, quand on lit les lettres de Paul, qui sont quand même... Je conseille à qui ne les a pas lus ou à qui les a lus, entendus distraitement à l'Église, de lire Paul, parce que c'est une lecture fascinante, pas toujours sympathique, mais absolument stupéfiante. Et souvent, les lettres de Paul évoquent la science-fiction, tout à fait. Ouais. Comment est verse 20 años después como objeto poseído por la fe? Comment expliquer ese desdoblamiento? Là, je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Bien sûr, c'est troublant de se regarder, de voir celui qu'on était 20 ans plus tôt. On pense quelque chose, on ne pense plus du tout ce qu'il pensait. Et en plus, je pense que celui que je suis devenu aujourd'hui, celui qui a écrit ce livre, celui qui dit ce que je suis en train de dire ici, aurait inspiré une très violente hostilité, une très violente antipathie à celui que j'étais il y a 20 ans. Je veux dire, le croyant que j'étais écouterait ça avec une espèce de dégoût total, et en disant... disant que j'ai tout trahi, que je me suis écarté de la vérité qui m'a été, dont pourtant la grâce m'avait été accordée. Enfin voilà. Or, pour ma part, je n'ai aucun doute sur le fait que je pense être davantage dans le vrai maintenant qu'il y a 20 ans. Mais où est-ce que j'en serai dans 20 ans si je suis toujours en vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je pense qu'il y a une chose dont il faut se méfier. C'est vraiment important, à la fois à l'échelle de nos vies et plus généralement à l'échelle dans le monde, dans les sociétés, à l'échelle de l'histoire, c'est de l'espèce de certitude naturelle que le présent a raison. Nous avons tous tendance à penser dans notre vie que voilà, maintenant, au moment où nous parlons, ça y est, nous sommes adultes, nous sommes mûrs, nous sommes lucides. Avant, nous pensions des trucs un peu, de la pensée magique, des trucs comme ça. Et on a tendance à le penser aussi pour les sociétés. Les sociétés ont tendance à penser qu'elles sont, elles, enfin... mûr, affranchi des illusions, des choses comme ça, et que avant, ouais, on avait des pensées un peu bizarres, tout ça. Et c'est pas vrai. Il faut penser que ce qui nous paraît tout de suite notre pensée tellement adulte, tellement mûre et tout, à un moment nous apparaîtra vraisemblablement comme puérile, absurde et même scandaleuse. Faut penser ça. Je veux dire, faut penser que souvent, les trucs qui vont de soi pour nous, qui nous paraissent vraiment l'expression à la fois du bon sens et de la rigueur morale, si ça se trouve, ça nous paraîtra absolument scandaleux plus tard. Je pense que c'est important, même si ça ne sert pas à grand-chose, mais d'avoir un tout petit peu conscience de ça, que le présent n'a pas nécessairement raison. Dos sobre Limonov. La primera... Las imágenes de la intimidad en Limonov son muy bueno, no sé, muy presentes y llenas de detalles. Al escribir sobre un escritor, ¿cuánto hay en esas descripciones de Carrère y cuánto de Limonov? Ah. Alors oui, non, ce livre est quand même un cas assez particulier, Limonov, parce que c'est... Ce n'est pas techniquement une biographie véritablement, mais disons, c'est une sorte de biographie à partir des écrits de quelqu'un qui est un autobiographe, qui a lui-même raconté sa vie dans des livres dont beaucoup sont excellents. Pas tous, mais au moins, beaucoup de ces livres sont très bons, et vraiment, j'en conseille la lecture, ils sont très vivants, tout ça. Donc, on pourrait dire que ça rend mon entreprise totalement superflue, que disons qu'il serait... plus normal et plus, je dirais, plus modeste de, je ne sais pas, de favoriser la réédition des livres de Limonov, éventuellement de faire des préfaces pour attirer l'attention sur les livres de Limonov, en disant, vous pouvez... Mais non, parce que, évidemment, la façon dont Limonov raconte sa vie n'est pas du tout la même que la perspective que je peux en avoir moi, précisément parce que, non seulement parce que je ne suis pas Limonov, mais parce que je suis à beaucoup d'égards le contraire de Limonov, au moins idéologiquement. Enfin, je veux dire, donc, je suis un biographe en partie, même si je suis séduit et charmé par lui à certains égards, mais moralement et idéologiquement, je suis son adversaire, d'une certaine façon. Ce que Limonov, d'ailleurs, a très bien compris. Il est très intelligent et il est tout à fait conscient que son intérêt, même comme héros, est que sa vie soit écrite par un type qui ne soit pas du même bord que lui, qui, comme il dit, ne soit pas du même côté de la barricade, et pas écrit par quelqu'un qui serait, je ne sais pas, un des jeunes types au crâne rasé qui font partie de son parti. Mais c'est vrai que c'est une espèce de mise en perspective de ce que lui a raconté. Donc la plupart des événements qu'il rapporte de sa vie, je les tire de ses livres. Et d'ailleurs, même, j'ai fait un choix qui est tout à fait discutable, qui est de lui faire confiance. Je pense que Limonov, disons, je prends ce que dit Limonov dans ses livres sur sa vie en partant du principe qu'il dit la vérité. Ce qui, à vrai dire... Si j'étais un biographe sérieux, enfin qui écrit une vraie biographie à l'américaine, ça veut dire que je ne ferais pas mon travail sérieusement. J'aurais dû faire du fact-checking, aller vérifier autant que ce soit possible si ce qu'il raconte est vrai. Je suis parti du principe que oui, c'est vrai, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois que Limonov a un tas de défauts, mais qu'il n'est pas menteur, parce qu'il n'a aucune imagination. Parce qu'il n'a aucune espèce de surmoi, qui raconte sur son compte des choses absolument, enfin, qui ne lui font pas honneur du tout et qui raconte froidement. Et intuitivement, je pense qu'il ne ment pas. Voilà. Mais je me trompe peut-être. Mais c'est vrai que c'est un cas de figure un peu particulier, oui. No creo que pueda leer todas las preguntas, pero desde ya le quiero transmitir a Carrère que produce lectores brillantes, porque son preguntas todas muy interesantes y ojalá tuviésemos todo el tiempo para formularlas. Y son preguntas que vienen de la lectura y de la atención. Sigo unas más con Limonov, que es un libro que aquí evidentemente fue muy leído. ¿En qué consiste el encanto del fascismo que hay en Limonov y del que hablaba Pasolini? C'était pas Mussolini, c'est Pasolini qui disait ça. Et ça a plus d'autorité dans la bouche de Pasolini que dans celle de Mussolini. L'opinion de Mussolini sur le fascisme n'est pas forcément celle à laquelle j'attacherais le plus d'importance. Celle de Pasolini, ça compte. Non, alors, je voulais, avant de répondre directement, vous dire que j'étais sensible à ce que vous disiez sur la, et c'est pas pour être flatteur, mais sur la qualité souvent des réactions des lecteurs. C'est que j'ai l'impression que, enfin, une chose qui me rend vraiment heureux dans les livres que j'ai pu écrire ces dernières années et dans l'accueil qu'ils ont reçu, c'est comme s'ils créaient avec les lecteurs, ou avec le lecteur. Ce n'est pas une question de public, ce n'est pas une question de nombre de lecteurs. Mais c'est comme si ça créait une espèce de complicité et presque de partenariat avec le lecteur. Comme si, au fond, le lecteur, pardon, c'est pas un peu prétentieux de dire ça, mais ayant lu éventuellement plusieurs livres de moi, finissait par me connaître un peu et, disons, savoir comment je m'y prends, quels sont mes tours et détours favoris, et qu'il y avait une possibilité de ma part aussi de jouer avec le lecteur comme un peu, vous voyez, comme un partenaire d'échecs avec qui on est habitué à jouer. Vous savez, on a fait beaucoup de parties ensemble et donc on joue mieux. Il y a une espèce de façon un peu de... Comme si je savais si j'allais jouer tel coup, qu'est-ce que j'attends, comment j'attends que le lecteur réagisse, parce qu'il sait que je suis habitué à faire cette ouverture-là, ou des choses comme ça. Enfin, il y a une espèce de rapport de complicité amicale, une façon de créer une sorte de... un rapport de presque de partenariat avec le lecteur, et donc j'ai l'impression ça m'autorise à quelque chose de très agréable, c'est à être très exigeant à l'égard du lecteur. C'est-à-dire deux choses, c'est à la fois je veille beaucoup au confort du lecteur, je tiens à ce que le livre soit agréable à lire, tout ça, enfin que ça soit... Mais en même temps, des livres comme Limonov ou comme Le Royaume, c'est des livres assez exigeants parce que, d'abord, il y a une très grande abondance d'informations, de choses comme ça, donc j'attends du lecteur qu'il soit très vigilant, très attentif. Enfin, j'ai l'impression d'être très, comme on dit en anglais, demanding à son égard, quoi. Voilà. Et je pense que les réactions des lecteurs jusqu'à présent m'autorisent à ça, et ça m'est confirmé. Voilà. Enfin, je voulais dire ça parce que c'est vraiment important. C'était peut-être une façon d'échapper aussi à la question sur le charme du fascisme. Évidemment. Non, mais. On voit bien ce que c'est que le charme du fascisme, ça veut dire justement une espèce de désinvolture totale à l'égard de toute correction politique et morale, une espèce de façon d'être beaucoup plus direct, tout ça, mais c'est aussi malgré tout, et ça moi au fond je n'y trouve pas grand charme, c'est cette question de considérer que la loi du plus fort, au fond, est le dernier mot de la réalité. Au fond, à partir de la loi du plus fort est toujours la vérité. Or, d'une certaine manière, c'est pour ça que le christianisme, même sans être croyant, m'intéresse tellement et me touche tellement, parce que le christianisme, c'est exactement le contraire. Ça veut dire que la vérité est du côté de la faiblesse. Donc, pour moi, c'est vraiment le contraire exact du fascisme. Ceci tout à fait en dehors de toutes les rapports accidentels qui ont pu exister entre l'Église et tous les fascismes. Ça, bien sûr. Hein, et je veux dire, il y a quelque chose aussi de très, enfin, terrible et presque, c'est dans le rapport entre le message évangélique qui est sans doute le plus subversif qui ait jamais existé, et le fait que le christianisme en tant qu'institution soit associé à toutes les espèces de conservatisme politique, de pouvoir, de la bourgeoisie triomphante, de tout ça. Il y a quelque chose qui est historiquement tout à fait explicable, tout ça, qui est intéressant à analyser, mais qui est, je veux dire, il y a quelque chose d'ahurissant là-dedans, d'absolument ahurissant. Bueno, al final es como Flaubert, porque Flaubert que cambiaba, que de cada libro pasaba un escenario completamente distinto, fuimos viendo a lo largo de esta conversación que Carrère va pasando casi por opuestos, ¿no? De hacer un libro terrible con el adversario, a hacer uno un poquito más apaciguador, a pesar de que se trata del dolor, con vidas ajenas, de hacer un libro con un fascista como Limonov, pasa a escribir uno sobre el cristianismo, o sea, también hay esa necesidad de airearse de lo que se escribe. Me dicen acá que queda una sola pregunta, hay muchísimas, me gustaría poder traducírselas, incluso está aquí la biógrafa de una excelente biografía que se hizo en la Argentina, enorme biografía de Virginia Woolf, Irene Bauer, que hizo todo un comentario sobre la muerte del autor y el autor en Carrère, pero quisiera terminar quizás con una que peca de actual, pero que tiene que ver con Limonov también, y con la relación de Carrère con Rusia, no solo por él mismo, sus libros, su historia familiar, sino que su madre también es una historiadora sovietóloga. Y la pregunta es la siguiente. Considerando tu conocimiento de Rusia y su cúpula fatídica, ¿pensás que las acciones del Kremlin en Siria contribuirían a la derrota de ISIS? ¿De qué lado o qué pensaría Limonov? Alors, la question, est-ce que c'est qu'est-ce qu'en pense Limonov ou qu'est-ce que j'en pense moi? Non, les deux. Nous pensons rarement la même chose, Limonov et moi. Mais Limonov, d'une façon générale, il trouve toujours que Poutine est un mou, qui fait tout pour faire plaisir à l'Occident et que vraiment on aurait dû récupérer l'Ukraine depuis longtemps. Et voilà, bon, je ne partage pas les vues de Limonov. La question, c'est de savoir s'il y a une... c'est plutôt de savoir si les pays occidentaux, enfin, qui peuvent s'associer, comme ils sont en train de le faire quand même avec la Russie et tout, sont prêts à ce qui est un peu la condition de la Russie, c'est dire « Ok, on attaque l'État islamique, on écrabouille l'État islamique, ce que maintenant, clairement... » depuis qu'ils ont avoué que leur avion a été explosé par l'État islamique et que c'est pas un accident, il faut faire quelque chose, quoi, du point de vue des Russes, mais du point de vue de Poutine. Mais est-ce que l'Occident est prêt à dire bon, Bachar el-Assad, on verra plus tard. Pour l'instant, Bachar el-Assad, objectivement, est notre allié puisque c'est l'ennemi de notre ennemi principal. Ça, c'est une autre question. La position du Kremlin, elle a l'air assez claire. La question, c'est plutôt la position, notamment de la France. Et de Limonov? Je vous dis, Limonov, je sais pas ce que Limonov a dit là-dessus. Je sais pas, je peux pas le faire parler. Limonov, à une autre époque de sa vie, en tout cas, il aurait certainement dit que, en fait, il trouvait que l'État islamique c'était très bien et qu'il aurait éventuellement rejoint l'État islamique. Non, je suis pas du tout sûr que ça soit ce qu'ils disent maintenant, donc je veux pas lui faire dire ça. Mais à un moment, c'est le genre de choses qu'il pouvait être parfaitement capable de dire pour dire attendez, vous pauvres, misérables bourgeois occidentaux repus, vous vous plaignez parce qu'on vous a tué 130 personnes chez vous. Excusez-moi, on en tue tout le temps dans des pays dont vous vous foutez absolument. Arrêtez, enfin, pleurez tant que vous voulez, mais je vais pas pleurer sur vous. Ça, c'est en gros le genre de position de Limonov, voilà. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Emmanuel Carrère. Merci, Sylvia.